petite Truffy et bienvenue pour la suite de notre Let's Play Crash Bandicoot dans ma compagnie. On attaque Heavy Machinery. La suite, la dernière île je pense, et je suis assez surpris parce que... Après on pourra le refaire en mode difficile j'imagine. Difficile non mais... comment dire... En mode 100%, voilà, je cherchais le mot, toutes les boîtes, les gemmes et tout ça, parce que c'est un petit défi que ce qui me plairait bien de réaliser, j'avais fait pour Rayman toutes les cages, là c'est un peu le même état d'esprit, les jeux de plateforme c'est un peu le seul jeu où je pue pas énormément du cul, mais il faudrait que je fasse les jeux en mode difficile, ce serait un petit défi en plus. En plus, 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 Heavy Machinery, alors là c'est à partir de là où je commence à ne plus me souvenir de rien du tout, à part cette musique, si je vous souhaite cette musique, assez funky. Donc on est plus du tout dans la nature là, il y a des... Et ça j'ai jamais compris ce que c'était. Franchement je me suis toujours posé la question, ces espèces de vibromasseurs forme de boule de geisha. Wow, et ça encore moins. Des aspirateurs, je n'ai jamais su ce que c'était. Oh je me souviens, il y avait des tuyaux gelés, tu pouvais pas grimper dessus, je crois que ça glissait. Ah si si tu peux. Les rouges par contre ça pique. Rouge c'est jamais bon dans les jeux vidéo. Ouais on approche du repère de Cortex tu vois. Il y a des trucs avec des pics. C'est un début de fistinière, si tu veux mon avis. Oh, Foxy Lady. Ok, tout va bien. Reste avec moi, Aku Aku. Maintenant que je sais son putain de prénom grâce à vous. Aku Aku. Il a un Mac. C'est pas une bonne idée de santé, Mac. Avec la voix de Lee de The Walking Dead. The Walking Crash. Ah, franchement, ils ont été vraiment... C'est pas inventif sur les level design parce que c'est somme toute assez classique ça. On dirait un peu un égout au final. Il y a même de la morph qui coule des tuyaux donc c'est assez charmant. Mais plutôt au niveau des dynamiques. Eh, ça tu peux pas sauter dessus d'accord. Tu te prends une sonde anale sinon. C'est-à-dire, tu sais, il faut un certain rythme assez précis. Voilà, par exemple, ça je me le prends dans les Crash Bandiboules. Les Crash Boules parce que ça passe pas. C'est un nom négatif. Eh, je recommence depuis le début. Oh, comme c'est agréable. Il y a un truc que je me demande, c'est est-ce que je peux faire une tournante sur les sondes anales? Oui, ça marche, donc j'ai plus à me soucier de ça, ça va. Voilà, tournante sur sondes anales, ça fonctionne. Toujours opter pour la tournante. Toujours. Ah, 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 mon cul. Ah, j'étais pas bien là. Oh, donne-moi la vie. Et meurs. Ok, cette fois on se foire pas. Ça a l'air de bien se passer. J'ai plus de Aku Aku et là, Mac. Tu m'as déçu, Mac. Ok, je me vis des tapis roulants quand même, à cause de ce genre de trucs là qui volent en l'air. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me le prendre. J'ai pas confiance du tout. Ok. Ah, ça branle ça, pas vrai? Oui, ça tombe, évidemment. Évidemment, tout branle, donc Crash Brandy branle. Hey, Foxy Lady! Maintenant que je sais, j'ai plus peur de rien. En train de me faire brûler le cul. Ok, de la vapeur. Normalement, ça fait juste un sonar. Crash, ça devrait pas te tuer, ne sois pas... Un bap tout fragile, s'il te plaît. Ok. Ah, est-ce que... C'est des plateformes différentes, alors ça veut dire quoi? Oh, Foxy Lady! Ça veut dire du bonus pour toi! Est-ce que tu sens que là, obligatoirement, je vais me foirer? Si j'essaye d'avoir toutes les caisses, je le sens. Je le sens. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. J'essaye de me repérer au son, mais je crois que c'est aléatoire en fait. J'arrive pas à savoir si je compte bien ou si c'est juste random les pomato. Potato, 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 potato. Je pourrais pas avoir celle du tout, tant pis. Non, tant pis, j'en ai marre. La pression est un peu trop énorme en fait. Oh, va te faire foutre, je me barre d'ici. C'est juste pas possible. J'ai les mains tellement moites, je suis genre herf, non. C'est bien assez pour moi. C'est bien assez pour moi. Je suis content avec les pomato que j'ai. Je ne veux pas plus de pomato. Ah. Punaise. C'est tendu quand même. Hein. En plus, j'ai perdu mon Aku Aku. Mon boule de gomme. Boule de gomme. C'est vrai que tout le monde pensait qu'il disait boule de gomme. Je me souviens d'un petit. Boule de gomme. Est-ce que... Ok, les tapis roulants, c'est pas mon truc. On laisse la fumée. Le pet de tuyau, le pet de Johan. Ok. Ça, on ne saura jamais ce que c'est, ces machines. Aspirateur de l'enfer. Z. Ou N comme Cortex. Ou Z comme zéro. J'ai cru. Ok, à quoi coup. Je viens à toi, mec. Bah, c'est Mac. Bon,
Ça va descendre, non? Ouais. J'aime bien ce passage de la musique. C'est brûlant, ça? C'est quoi? Ouh, ok, d'accord. Ah, il se prend des trucs dans la gueule, Crash. Des caisses. À la chaîne. Ah, super boule de cam. Ouh, jusqu'au plafond, tu sais. Il s'encastre. C'est vraiment très cartoon, des fois. Ça, c'est branlant. Pourrait faire un effort, quand même. Hein, pour construire... Je sais pas, les normes de sécurité sont pas tellement respectées dans ce monde de merde. Ok, on est d'accord pour dire que c'est un truc différé et que j'ai failli me faire... Ouh! On s'envoie en l'air! Non, 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 non. Pas ce genre de truc. Pas ce genre de truc, non. S'il vous plaît, voilà. Exactement. Exactement pour ça, parce que je suis horrible à ce genre de fonctionnement de gameplay. C'est genre des trucs qui avancent et que tu dois sauter, c'est... C'est ma kryptonite! Oh! Oh non, pas lui. C'est les niveaux durs, là. Chiotte. Bon. Et voilà, à quoi coup. Tu m'as déçu, Mac. Ouh, stylé. Aïe. Non, mais où tu vas? C'est grave avec le joystick, avec les touches directionnelles. J'arrive pas à, tu sais, sortir de l'écran. Mais avec les joysticks, c'est tellement facile de sortir de ta zone. C'est genre... tu tombes dans le vide facilement. Ouh. Est-ce que j'ai... Comment tu fais pour pas te détruire les genoux? Je savais pas que les bandicoots, ça pouvait avoir une résistance pareille. Ça donne mal à la tête. Allez. Bounce, bitch. Je veux mes pomettos. J'entends la sortie. Oh, oh, attends. Donne-moi toutes ces vies. Et je vais peut-être avoir 100 vies, hein. Je vais peut-être arriver pour la première fois de ma vie à avoir 100 vies à Crash Bandicoot. Je pense pas parce que je sens que je vais me foire au bout d'un moment, mais... Quand il y a de la... Quand il y a de la pomato, il y a de l'espoir. Hein, j'ai envie de te dire. Ouh, bah c'était pas de tout repos ce niveau, hein. Ça commence à se corser. Cortex Power. Cortex Power. Et je t'avoue que c'est un peu plus excitant parce que c'est la découverte vraiment de... Oh, une cinématique? Ah non, c'était juste un plan de vue assez funky. D'accord. On retourne en mode vue 3D. Ok. Ils sont vraiment... Ils sont... Oula, oula. Truc électrique. Si je passe, je pense que je me le prends. Ouais, on va pas tenter. Allo? Oh, ok. Bon, ok. Timing foireux. Ah, Crash Bandicoot. Ah, ok, bon. Laissez-moi. Les autres, je... Les autres se connaissaient par cœur. Là, en plus, c'est en vue du dessus, c'est assez bizarre. Le plan de... Enfin, le plan de caméra est assez particulier. L'impression... En fait, t'as l'impression de jouer à plein de jeux différents, tu sais. Genre, tu changes de plan de vue, quasi... What? C'est l'aspirateur qui m'a aspiré l'orteil, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un peu comme le rhume, en fait. Tu te rends pas compte à quel point t'as la chance d'avoir les narines débouchées quand t'as... Tu rends compte ça? D'accord, ok. Mais c'est impossible avec moi, hein, ce timing, je vais perdre toutes mes vies, tu vas voir. Du coup, je disais, tu te rends pas compte de la chance que t'as d'avoir un à coup avec toi, un Mac, un boule de com. Et tu t'en rends compte seulement quand tu l'as plus et que le moindre truc peut te buter. Au pied d'une souris à une décharge électrique. Qui devrait pas d'ailleurs. On est d'accord, ça devrait pas me tuer. Cortex Power. Le mec il a un peu... Il a la grosse tête, hein. Littéralement, Cortex. On va essayer de pas tomber dans le jus de mort. Même si ça doit être de la nitro. Dans de l'acide plutôt, parce que la nitro, je le doute. Et là on a deux choix, et là c'est là que ça... Je sais pas s'ils ont voulu faire de la rejouabilité ou quoi, mais c'est très stressant. Parce que j'ai envie d'aller dans les deux coins, tu sais. Mais en même temps, quand je vois ça, j'ai pas... Oh, yeah, ok, voilà, à coup à coup, j'aurais pas dû aller... What? Wow! C'est quoi ça? Y'a un gangster! On dirait un film, tu sais, de gangster où tu te caches, genre... Ah, faut pas rigoler. Si tu sais pas viser, comme moi, faut pas rigoler. Du coup, je choisis une voix assez particulière, hein. On est d'accord que... Je sais même pas si c'est la plus dure ou la moins dure, mais... J'ai envie de faire les deux. Oh, regarde, les diamants, on les voit. What? Ça doit être une route particulière. J'ai l'impression qu'il y a trop d'options, je suis genre perdu. Bon, pour l'instant ça va, je m'en sors. Attends, c'est de l'autre côté là? C'est par où tu pouvais arriver de l'autre côté? Et je peux pas avoir la vie. Il veut pas que je saute. Et si, moi je veux passer. Et là tu le fais en mode marche arrière, c'est ça? Non, il faut être un peu trop motivé, c'est pas trop mon cas. Faut peut-être une fois que t'arrives là, une fois que tu sais que t'arrives là, tu rebrousses chemin sur le chemin que t'as connu qui est... Oh, le bruit en plus c'était charmant. Ok. Ça va aller. Je vais m'en sortir, vous en faites. Et je me fais fister à la chaîne, c'est toujours un plaisir.
J'ai l'impression que c'était bien branlant en plus. Moi j'aime quand ça branle. Ok. Différé. Dans ce genre là, ok. J'essaye de comprendre les patterns, mais c'est absolument très compliqué. Ok. Faut sauter, ouais. Ah, on voit encore la route des diamants. Ok. Ok. Hey. Quand même. Est-ce que ça s'annonce compliqué selon toi? Ok. Ok, d'accord. Bah, très bien, hein, écoute. J'ai l'impression que j'ai loupé des trucs, mais... Je reviendrai. I'll be back. Je reviendrai sur ce niveau. Enfin, sur tous les niveaux, en fait. Pour essayer d'avoir toutes les... Absolument tous les bonus, comme j'ai dit. Ce qui risque d'être assez complexe. Bouge avec moi. Saute avec Crash. En plus, si t'apprenais à compter, tu sais... Jusqu'à 100, certes. C'est déjà pas mal pour un Bandicoot. Ah, c'est pas fini. D'habitude, il fait... Et là, je vais me faire chier dessus par des boîtes. Ah, j'ai dû en manquer beaucoup parce que... j'ai... Combien? 150? 1000? D'accord, 26. Bah, c'est un record, hein. Generator Room, un nouveau défi. Bah! Voyons voir, est-ce que ça va être plus dur, moi... Oh! C'est quoi cette tête de socio... Un gros violeur, c'est... Un gros Charles Manson, c'est assez... Je sais pas ce qu'il est en train de faire à la caméra, en plus il fait des va-et-vient. Salut Cortex! Est-ce que tu t'éclates? J'ai toujours su que t'étais porté dans la zoophilie, ça c'est sûr. Ah, bye! Par contre, ça je sais que j'ai pas besoin... Que je peux passer en mode YOLO. Et mourir. Comme ça. Yeah! On va pas essayer de les tuer comme ça, ça a l'air compliqué. Hein. Oh, en plus, ça te fait stresser. Lol. Tout va bien. Tout va très très bien. Ça a pas l'air compliqué du tout comme niveau. Pff. C'est passé à ça de la caquette. Ok. Saut Crash. Pff. Ok. Fuck the lady. T'as tellement failli mourir, gros. C'est très tendu. Pourquoi il crée des niveaux comme ça, hein? Hein? C'était nécessaire? C'était absolument nécessaire, Tuki? Ouais, ça m'a l'air aussi absolument nécessaire. Ah, bye! Non, mais des fois, ça m'arrive, hein, de faire des trucs comme ça, ça m'arrive. C'est... Voilà, il faut pas se poser la question. Ok, une bonne plateforme bien branlante comme on les aime, ouais. Est-ce qu'il y a un timer ou quoi, selon la... Parce qu'il y a plein de trucs, il y a des vies et tout, ça a l'air cool. Mais j'ai pas envie d'y aller. Le truc, c'est que j'ai pas la... Je sais pas du tout quand elle va tomber, cette putain de plateforme, donc c'est assez cool. Ok, là je crois que ça... Oui, voilà. Oh, c'est pas passé loin. C'est génial. Je ne fais plus jamais ça. Merci. Il était hors d'un checkpoint. Ok, ça va. La musique est bien stressante en plus, il se passe rien. Hey, fuck, c'est là, il est. Enfin, tu sais, c'est très silencieux, c'est très... Wouh. Je fume mes pommettos. Pauvre pommetto. Elle avait rien fait à personne. Ok, là c'est pas branlant, je peux prendre le temps. Oh, ok, d'accord, j'avais aucune vision de la perspective là. Mais alors rien du tout. Réhabiter au truc. Nope, je me ferai pas avoir deux fois. Pas de sonde anal pour toi, Crash. Je sais pas si t'en avais envie ou pas, mais nope. Foxy Lady! Bonus round, prêt à mourir. Wouh! Ok, tu vas voir, ça va être super cool de mourir. Super stylé. Je vais adorer ça. Et voilà, je tente. Je tente celle-là. Ouais, ok, bye. De rien, beauté! Je vais te faire l'amour, ma beauté. Tout caresser devant la cheminée. Bordogam! Ça fait longtemps, Mac. Il faut qu'on y aille, Crash. On va se faire buter si tu continues tes conneries. Dans ce genre-là, exactement. Ah, putain. Et en fait, c'est assez bizarre parce que je commence à seulement m'habituer au joystick. Et en même temps, pas du tout. C'est quand le timing là? On m'explique? D'accord, de toute façon je suis obligé de le sacrifier, j'ai l'impression. Enfoiré! D'accord! Pas mal! D'accord, non mais c'est pas le vide, il y a une grille en dessous et c'est pas possible de... de survivre, je suis juste un enculé, c'est ça? Ok, je peux aller me faire voir bien profond. La perspective ici, elle est absolument terrible.
Je ne sais vraiment pas quand je dois sauter. Je pense qu'il n'y a pas moyen. Ah si, peut-être là, voilà. Et là. Ah si, c'est juste moi qui suis un trou de bite depuis le départ. T'inquiète. Ok. Nice. Bon à savoir. Oh! Et voilà! Tout pour moi. Des pomatoes. Ok, tu passes. J'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai eu peur. J'ai pas compris ce qui se passe. Oh. Non, la perspective est vraiment chelou des fois. Je vais pas le cacher. Ok, bye. Je veux dire, ça part en diagonale, ça part partout. Là, par exemple, ouais, là, je vois un peu. Je sais que c'est dangereux. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle te donne pas de pomatoes. Les caméras... les caméras, je sais pas quoi. Assez pervers, j'imagine. Je sais pas ce qui... Parce qu'il t'observe depuis tout à l'heure, en fait. C'est ça qui est assez dérangeant, je pense. T'as failli tomber, ça, c'est assez stylé. Allez, donne-moi tout ça. Ah, au revoir la pommade. Et le truc, c'est, est-ce qu'il les mange toutes ou est-ce qu'il se les fourre quelque part? Ok, c'est bon. Oh, oh c'est branlant. Oh, j'ai failli mourir encore. J'ai dû le dire des milliers de fois. Dans... Buvez un shot à chaque fois que je dis ça. J'ai failli mourir. J'ai failli... Oh. Tiens, ça a l'air dangereux par ici. Bye. Bye, bye, bye. Désolé, à quoi coup. Oh, frère, mec. Ouh. Tu vois, la perspective, je pensais totalement l'avoir là, mais non. Rien du tout. Là, pareil, je pensais juste me laisser tomber comme une fiotte. Mais je pense que je serais mort, de manière assez assez fascinante. Ok, génial. Ok. Ça, il est super long le niveau, il est assez tendu du cul. Ah là, je sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais j'aime pas ça. Ok. Ah là, oh merde, c'est quoi ça? Pinstripelli potorotti. Mom spaghetti never forgetti. Je pense que c'est le prochain boss du coup. Une espèce de gangster marsupial. On va voir ça. Est-ce que je lui arrive à la cheville? Toxic Waste. Ah non, c'est pas encore... Je suis pas encore là. Hein. Toute l'usine, elle est dure à parcourir. Elle est énorme. C'est ce qu'elle a dit. Elle est énorme. What? C'est qui ce gros mafieux? La mafia des souris quoi. Bon, 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 bon. Il envoie des tenons en or, il déconne zéro le mec. N'empêche, c'est son boulot, hein. Il est payé pour ça. Ou pas, peut-être qu'il est pas payé, je sais pas. Faut voir avec le syndicat. Le syndicat des souris. Les musiques commencent à devenir très bizarres. Bah, elles sont dans le ton, elles sont industrielles, mais ça change beaucoup, tu sais, de la musique de la forêt. Elles sont un peu moins catchy et assez bizarres. Allez, on voit ça. Poum. Comment il s'est téléporté. Hé, hey, à quoi coup, mec. On va. Bon, le com. Allez, Mac, saute sur le tonneau. Te laisse pas avoir, Mac. Faut que tu sois plus fort, sois le tonneau. Ok. Alors pour l'instant, ça va, c'est assez facile de sauter au-dessus de tonneau. Pff, par contre, là, ça commence peut-être à devenir dur. Dégage. Y'a que moi qui peux soulever de la fonte ici pour ma chérie marsupiale. Avec ses boobs pixelisés. Si elle me fait un petit job, je perds ma bite. J'aime bien comment le masque, il saute un petit peu avec toi aussi. À quoi. Ok. Ok, timing. Oh, j'ai failli me le prendre celui-là. Ok, j'essaye de pas me foirer et de tomber parce qu'à chaque fois que je fais ça, je tombe dans Foxy Lady. Je tombe dans la flotte et là, il y a des bulles partout. J'ai de mauvaises histoires avec les bulles, je sais pas. Chaque fois qu'il y a des bulles, je me méfie. Ça peut, c'est comme du savon, ça peut te rentrer dans l'œil et tout. Là, ça, c'est vert donc. Parcours au l'air. En fait, c'est qu'un un niveau. Mais ils sont en train de polluer toutes les îles en fait, ces enfoirés, je viens de me rendre compte. Oh, merde, merde. Passe en dessous. Ok. Le truc qui fait trop bad tu. Oh shit. Oh shit. Oh ce timing. Timingu. Strong timingu. Il commence à avoir des tonneaux différents et tout, ça le fait pas. Ça le fait pas les gars. Ah. J'aime ça. Ah y'en a un autre qui arrive, j'adore le bruit. Boum. Attends, je me... Ouais, j'ai bien fait de me décaler parce que je me disais, hey, c'est bizarre quand même. Ah, ah quoi coup, mec. Jamais tu ne seras oublié. Oh, chiotte. Oh, chiotte, comment... Écrasé comme une prête. Et il fait encore des abdos, il est fou, ce crash. Ok. Oh, c'est pas passé loin. Ma crash beat, ok. Ok, ok. Merde. Oh, ce timing OMG! Suce-moi le crash bandibou! Fuck, c'est là il est! Ça tombe bien, c'est ce que j'en avais besoin. C'est exactement ce que je voulais.
Ok, la TNT. Oh, chiotte. Plus vite, crash. Oh merde, 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 merde. Ouh, je l'ai esquivé de peu aussi, ça. Hey, 99 vies. Yeah, baby. Crash, mordez-vous. Crash, mordez-vous. Ok, du coup, on revient ici. Tout se passe bien. Sauf que lui, il envoie des tonneaux de malade à chaque fois. Et je me fais écraser. Ah, chiotte. Je crois que je suis jamais autant mort dans le jeu jusqu'à maintenant. Ça montre à quel point soit je deviens mauvais avec le temps, soit il se complique. Écrasé et dans la morve. Génial. Génial, Crash. Tu vas pas dire, la perspective, elle est quand même horrible. Allez, on essaye. C'est là le plus dur, je pense. Ouh! Qu'est-ce que tu dis de ça, motherfucker? J'y suis allé avec les... Voilà. Non, voilà. C'était bien, non? J'ai bien fait. Je suis passé en force, là. Je me suis laissé... Ouh! Pinstrip, quoi? Pinstrip. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air stylé. Oh! Un boss! Ok. Alors, moi, j'ai quoi? J'ai mon hélicobite, et lui, il a quoi? Il a... Bon, j'ai des canapés Ikea aussi. Oh! Ok. Il est sérieux? C'est quoi cette vie, en plus? Il a même un portrait de Cortex, le gros fanboy. Protège-toi, Crash! Qu'est-ce qu'il fait? Il dort derrière son... Il a le pétoir en feu, c'est pas possible. Je sais bien que je fais l'hélicobite, mais tiens, bouffe ça. Ok, rien à foutre. Bouh, celui-là. Oh, jolie tournante. Il essaye de m'imiter, je crois. Combien de munitions? Munitions infinies. Ah, ok. Oh, heureusement qu'il s'est moins bien visé que moi. Pinstripe Potoroo, là. Moi, je lui mets des bifles à chaque fois. Vas-y, mec. Le pouvoir de la bifle. Tu es protégé par les canapés Ikea. Les sofas de grande qualité. Oh, il doit recharger. Oh, ok, d'accord. Il m'a brain. Au revoir, Akuaku. Tu étais un bon coéquipier. C'est toujours le... Ok, je me fais trouer comme du fromage. À ses pieds. Il a l'air content, hein. Ah, te voilà, mec. Cette fois, ne me laisse pas mourir. C'est pas un film hollywoodien. Le Black n'a pas à mourir en premier. Tiens, danse sur ça. Putain, il a la plus grosse barre de vue jusqu'à maintenant. Il est chaud, hein, Mafia. Never forgetty, mon spaghetti. Ok, tu veux danser? Danse sur ça. Et j'en reviens pas qu'il ait quand même un portrait de son boss. C'est assez... Non, c'est pire que fanboy. Oh, wow, wow, wow! Dangereux, dangereux! C'est un gros maniaque. Ah! Calme tes ardeurs, gros. Ah, tu vas recharger? Bah, bouffe celui-là. Ah! Cache-toi. Il met grosse patate, c'est... Non, mais c'est vrai, à quoi il tape? Avec son nez, avec son... Sa... Ah! Avec sa bite? Mais hey, il est acrobate, le gars. Bon, après, il sait pas se servir d'une arme, et encore moins viser. Mais je le... Il... Ah! Comment il se couvrit là? Arf! Oh god! J'aime bien le niveau, en tout cas, il est sympa. Bouffe ça! Oh! Wow! Je pensais faire un truc stylé, mais non, pas du tout. Ah! Reste à couvert, mec! Tu veux finir en pot devant la cheminée? Ah, ok! Ah, je suis coincé! Bouffe ça! Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout! Merci à quoi, tu m'as sauvé. Voilà! C'est ce que je voulais faire depuis le début. Ouh! L'hélicobite si puissant! Yeehaw! Qu'il a pété les vitres. Ça j'aime. Ça, c'est... That's my jam, man. Voilà, très fidèle. On va s'arrêter là. On a bien progressé, je trouve. On a battu un nouveau boss. On n'a pas l'air d'avoir bien progressé sur la map, mais on a quand même fait beaucoup de choses, donc c'est pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre entourage. À laisser un j'aime. Et si vous ne l'êtes pas encore, devenez un... Pardon, non pas ça, pas en haut, devenez un trophidal. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de Crash Bandicoot en ma compagnie. Blah. Biou.